TEDx Grand Bassam, partager des idées pour pousser à l'action. Pascal Affinguesson annonce une alliance du FPI avec le RHDP. Qu'en pensent les Ivoiriens? Zoukoube, lancement de projet de l'ONG Sûr. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Détrompez-vous, John Kiffy n'était pas en concert. Il faisait cet a cappella lors de la 7e édition du TEDx Grand Bassam où il était speaker. La plateforme a offert la scène à 9 leaders comme lui qui, tour à tour, ont raconté leurs différents parcours en vue d'inspirer, de motiver et de pousser à l'action. Travailler par amour pour Dieu, par amour pour son frère. Et pendant que vous êtes en train de travailler, vous pouvez devenir leader. On a envie d'entendre, d'écouter les autres pour pouvoir réussir. Vous savez, soit la formation, soit le coaching, mais on est obligé de nous former, d'écouter les autres pour tirer un élément, nous appuyer sur cette chose comme levier et puis réussir. Partager des idées pour changer le monde, c'est l'objectif visé par TEDx en organisant cette plateforme autour du thème patrimoine, un voyage entre héritage et transmission. Le thème de cette 7e édition, c'est patrimoine. Et donc, nous avons recherché des personnes qui travaillent de façon pérenne afin de laisser aux générations futures un héritage. On s'est dit que la vie, c'est comme une course de relais où les parents ont couru afin de nous transmettre un témoin. Et notre rôle est de courir afin de bien transmettre le témoin aux générations futures. La 7e édition du TEDx Grand Bassam s'est soldée par une remise de diplôme de participation aux différents speakers. Les spéculations allaient déjà bon train. Pascal Affinguesson a finalement confirmé la rumeur. Il a annoncé le samedi 28 janvier conclure très prochainement une alliance avec le RHDP en vue des prochaines élections, critiquant une opposition politique qui continue d'errer. C'était lors d'une cérémonie de vœux de son parti, le Front Populaire Ivoirien. Que pensent les Ivoiriens de cette annonce? Moi, je pense que dans la politique, c'est du gagnant-gagnant. Hein. Ah, donc, s'il voit que en faisant l'alliance avec le RHDP, ça l'arrange. Allez, qu'il parte. Mais c'est pour la bonne gouvernance, pour que le pays aille de l'avant, c'est tout. Sinon, les alliances par-ci, par-là, c'est un peu compliqué. Mais bon, si c'est pour l'avancement du pays, en tout cas, je ne vois pas l'inconvénient. Affi, c'est son choix, mais politiquement, il ne sait pas ce qu'il veut. Affinguesson a trahi la lutte, puisque quand il est venu de La Haye pour rencontrer Gbagbo, il a dit tout simplement que si Gbagbo revenait, lui remettait le tablier. Arrivé ici, ce n'est pas le cas. Donc c'est une trahison pour moi. Avec le RHDP, le président du FPI veut conclure des accords électoraux à l'occasion des consultations électorales de 2023, municipales et régionales, et de 2025, présidentielles, dans la dynamique d'une gestion conjointe de l'État. Rappelons que Pascal Affinguesson a longtemps été le bras droit de Laurent Gbagbo, dont il a été le premier ministre de 2000 à 2003. Il s'est éloigné de son mentor politique au fil des années. Ces chants annoncent la joie et la reconnaissance envers leur chef. C'était le samedi 27 janvier dernier, la population de Kouté Village est sortie massivement pour souhaiter les vœux. Plusieurs opérateurs économiques, des directeurs d'écoles primaires publiques et privées, des associations de femmes, des chefs de toutes les communautés religieuses du village de Kouté ont tous tenu à présenter leurs vœux à leur chef, Nanan Clément Apiti Apiti. C'est désormais une tradition depuis nos aînés de la génération Toubo qui nous ont passé le relais il y a de cela 2 ans. Enfin, 2020, nous avions accédé à ce pouvoir. Comme c'est la tradition, à pareil moment de chaque année, c'est-à-dire le dernier samedi du mois de janvier, nous permettons à la communauté villageoise ainsi que tous ceux qui sont dans le périmètre qui mènent des activités économiques ou d'ordre social au sein de notre village de bien vouloir se présenter à la chefferie afin de rendre les honneurs à cette chefferie qui les accompagne chaque jour dans leurs activités. Il faut noter qu'à l'occasion de cette cérémonie, le chef a reçu de nombreux présents de la part des populations qu'il administre.
La promotion de la santé de la reproduction était au centre des réflexions au foyer des jeunes de Zoukoube. Ce projet, qui fait la promotion de la santé reproductive des personnes en situation de handicap et des personnes non binaires, est l'initiative de l'ONG SUR, appuyée par son partenaire financier, l'ambassade des États-Unis. Il s'agira pour ces personnes, pour nous, surtout pour l'ONG Santé Urbaine et Rurale, de faire comprendre à ces personnes, à nos cibles, qu'ils ont des droits et qu'ils doivent revendiquer ces droits-là. Ils ont le droit à la santé, ils ont le droit de se rendre dans les centres de santé pour se faire soigner. Ils n'ont pas le droit de se faire marginaliser, les uns par rapport à leur handicap et les autres par rapport à leur appartenance sexuelle. Parce que tout être humain a droit à la santé. Et quand on dit tout être humain, c'est tout le monde. Les participants au lancement du projet qui apprécient l'intérêt souhaite qu'il soit vulgarisé afin d'atteindre les objectifs. De manière générale, on a tendance à croire que c'est fait seulement pour les bien portants. Et pourtant, tout être vivant devrait mériter de cette santé-là. Qu'il soit handicapé, moteur, physique, psychique, hein, démuni ou pas, qu'il puisse lui également avoir droit à la santé dont tout homme a bénéfice. Parler de sexualité, nous qui sommes élèves, ça nous arrange véritablement. Parce que lorsque nous ne sommes pas informés sur la sexualité, cela diminue d'abord le coût de notre réussite au niveau scolaire et aussi ça diminue aussi le taux de réussite au sein de nos différents établissements. Donc en parlant de sexualité, de un, elle va diminuer d'abord les grossesses en milieu scolaire et puis elle va nous instruire sur plusieurs informations au niveau de la sexualité. Pour l'ONG SUR, notre façon d'être et notre façon de penser ne doit pas impacter notre accès à la santé et elle y travaille. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info.